Image mémorielle. Alors, c'est quelque chose qu'on avait dans la zone de l'histoire principale et dans les cœurs des plaines, on en a également. À très vite. La sensibilité. C'est violent. J'ai pas compris AS. Attends, je comprends pas. Je suis bien libre. Il faut rester appuyé sur S. C'est pas violent, enfin c'était pas explicite au début, c'est pas très marqué, hein. Ils auraient pu utiliser notre couleur. J'essaie de baisser ma sensibilité de souris, ça sera peut-être plus adapté. Sur celui-là. Je vais oublier, mais on a le droit qu'à 3 erreurs. Ce qui est censé être un truc pour nous reposer peut être un générateur de stress. Une accélération. Soulagement. Ces grands rochers. Voilà pour le premier. Penchés comme des aclous. Ils me rappellent de ralentir. De savourer l'instant. Le soleil réchauffe mon dos. Et le vent apaise mon visage. Depuis toujours. Ça devrait toujours être ainsi. La terre. Des histoires à me raconter. Je dois chercher d'autres lieux comme celui-ci pour établir un lien encore plus fort. C'est la quête souvenir du cœur. Alors, seconde image mémorielle, berceau des accrous. J'aurais mieux fait de rester à mon dos de crâne, ça aurait été plus facile d'accès. Bien penser à diminuer la sensibilité de la souris.
font marrer avec leur truc. Ça va, il y en a un, c'est tout droit. C'est moins compliqué que ça en a l'air. Attends, j'ai pas compris. Pas préparé. Pire, c'est s'il me demande d'appuyer sur R ou F en même temps que je fais touche directionnelle. Je crois que c'est un papillon qui est venu se poser sur moi. Ça me perturbe. De majestueuses silhouettes parcourent le ciel, sculptées par le vent, accueillant les voyageurs. Un lieu de repos privilégié pour les Ikran et les Na'vi. Quels sont les pas que je suivrai? Était-il hésitant et en quête d'espoir? Ou se dirigeait-il vers l'horizon, intrépide? Troisième image mémorielle. C'était vicieux parce qu'elle était au milieu d'un brouillard de guerre qui n'était pas très épais. J'ai quand même été par défaut et j'ai trouvé au moins 2-3 trucs intéressants à y choper. Et pas y croire que je suis en combat. J'étais en train de paramétrer ma souris. Merde, je pensais qu'on allait croiser. Dressés devant moi, les gardiens silencieux de la terre. Ils résistent à toutes les intempéries. Ils ne cèdent pas. Les Sarentu ignoraient que nous devrions en devenir les gardiens. Protéger la beauté que nous pensions éternelle. Leur force tranquille est inspirante.
Dernière image mémorielle. Pas facile hein, à trouver. Même en sachant qu'il y avait un point, c'était pas évident de l'identifier. Alors en fait, on a un amas de pierres avec un courant d'eau et en fait, il est situé complètement contrebas. Ce qui est très différent des différentes installations qu'on a habituellement. Il surplombe un petit peu des plaines avec des jolis panoramas. Alors là, on a. On va avoir là aussi un joli panorama, mais au milieu d'un cours d'eau. J'avais absolument pas compris, il fallait être à gauche. Hein. Encore une fois, leurs commandes sont pas du tout implicites. Au contraire, je me dis, mais je bouge pas, ça a l'air d'être bon. Et non, en fait, c'était la mise en défaut. Bon. Il nous reste encore une chance de ne pas nous foirer. L'ombre protectrice de ce lieu. Je me sens en sécurité. Les eaux déferlent sur les rochers, comme des pensées éparses, et rejoignent le calme en contrebas. Notre histoire semble conservée dans les échos, attendant d'être entendue à nouveau. Plus je connais la Terre, plus ma connexion devient profonde. Avec Pandora, Eiwa, et les voyageurs Salentu qui m'ont précédé. Ces lieux sont clairs dans mon esprit. Ils m'offrent du réconfort et me montrent la voie. Je perçois les histoires qu'ils recèlent. Bien, souvenir du cœur terminé. C'était également un défi. UbiConnect, voilà pour la quatrième image mémorielle.